Tu connais sans pitié nous, nous pas connaît qui ça lui gagne. Mais la seule chose, c'est que nous connaissons notre Dieu, il est, c'est lui qui contrôle. Et yon papa, pa, des petites lui mandé du pain, il pas bali roche. Et il mandé de la viande, il pas bali il pas bali couleuvre. Et c'est ça nous comprendre que non ces petites c'est papa nous et Dieu le créateur, c'est notre créateur, il connaît que nous existons, il connaît combien de temps nous avons pour nous vivre et il fait projet pour nous depuis la fondation même du monde. Donc, pas qu'il y a aucune raison pour nous peur. Quand nous connaissons un jour, vous relez nous. Et je relez nous, hein, nous pas qu'il y a monde qui est capable de dire attends, à demain, quelques minutes après, parce que c'est lui qui est bon, nous souffle. C'est une bénédiction spéciale que nous avons matin, hein, d'être que nous capables hein, de la présence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et au même cap coûté matin hein, dans tous les coins du monde. Et c'est toujours à l'église baptiste de Bonne Nouvelle, située à Snellville, Georgia. C'est là que nous sommes là, chaque 9h30, 10h30, pour notre service en créole. Et c'est ce qui va suivre hein, à 11h, notre service en anglais. De sorte qu'il ne faut pas manquer rien. Donc, comme souhaiter que vous soyez un collaborateur qui travaille ensemble, comme le pasteur vient dire ce matin, si vous branchez, si vous sentez qu'il y a quelque nous ouvrir, nous remettre ça, les mon abdi apporter des corrections pour nous. Donc, nous attendons eux-mêmes, ils ont appel, ils ont porté quelque chose, d'une façon ou d'une autre, fais-nous rencontrer à nous-mêmes, afin que nous capables de faire au plus bien, parce que nous sommes des hommes limités. Maintenant, mes chers amis, moi j'ai deux versets que moi lis pour vous maintenant, c'est dans Lévitique. Lévitique, chapitre 27, on va lire les versets 30, 31 et 32. Trois versets pour vous dans Lévitique, chapitre 27. Versets 30, 31 et 32. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit des fruits, des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. Moi, j'ai un sujet pour matin, hein, et c'est un économiste intelligent. Un bon gestionnaire, un bon administrateur, un bon économiste, c'est même famille des mots. Il n'y a rien de mauvais pour capable un bon économiste. Pour être en tant que serviteur de Dieu et pour un bon économiste, pour un bon gestionnaire, pour un bon administrateur. Pas qu'il y a rien qui mal dans ça. Bon Dieu remet ça. Et Moïse, sous l'inspiration de Dieu qui a créé toutes choses, Dieu a créé toutes choses, et sous l'inspiration de Dieu, Moïse a écrit ces paroles pour le bien-être des enfants d'Israël. Et au chapitre 27, verset 30, que nous sautons le matin, mais ça, mon Dieu, mandé au peuple Israël, toute dîme de la terre soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Et non, un monde qui n'est pas capable de gérer l'administration, lui besoin
prend un monde, paye un monde pour gérer l'administration. Parce qu'il y a un monde qui a une grosse administration, mais il n'est pas un vrai gestionnaire. Il n'est pas un vrai administrateur. Donc, puisqu'on gagne de grands biens, on a besoin d'un monde qui peut administrer. Mais nous-mêmes, matin, hein, en tant que chrétiens, nous allons parler un peu de l'administrateur chrétien. Nous connaissons des gens qui, dans le monde, courent mon évo pour capable accumuler autant d'argent que possible. Bon, c'est vision. Yo. C'est but un homme qui mettait assez d'argent dehors, Billy, c'est pour lui entrer. Bénéfice, pas qu'il y a rien qui est mauvais. Et si on mettait une somme dehors et ou pas entrer, bénéfice, c'est perte. Et là, on réalise qu'on a fait perte, on a besoin de camper pour dire qui va me faire faute, qui ça m'a pas de faire. Est-ce que moi j'ai besoin d'aide? Est-ce que j'ai besoin de l'autre monde qui peut aider moi? Connaît comment pour m'administrer bien moins. Maintenant, il faut connaître, en tant que chrétien, nous devons être de bons administrateurs ou bien de bons gérants pour Dieu. La Bible nous dit que tout est digne de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Toute dîme de gros et de ménibétail, de tout ce qui se passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. Tout ça qui fait sous sol, ça, c'est pour l'Éternel qui met tout. Tout appartient à l'Éternel. Nous sommes tous seulement des gérants. Et la Bible dit que Dieu veut un dixième de revenu nous. Dit ben nous tout ça nous gagnons, tout ça que nous gagnons, tout c'est pour nous. Mais Dieu veut hein, il veut un dixième dans ça nous posséder. Et partie ça doit être spécialement totalement mise à part pour Dieu. C'est pas la quantité que Dieu a pas tendre, mais c'est la disposition de votre cœur. Si vous êtes intelligent matin, hein, vous connaissez que Dieu a fait un examen à Israël de façon absolue quand il dit toutes choses appartiennent à Dieu. Mais Israël n'est pas seul peuple qui vit sur la terre. Information ça est adressée seulement, non seulement à Israël, mais à tout peuple qui vit sur la terre. Pour connaître que Dieu à toute chose, tout ça qui se met sur la terre, tout appartient à Dieu. Il y a des gens qui pas même fait tenir content un Dieu qui existait. Il y a des gens qui pas même ça pas concerné que adorer Dieu, venir à l'église, ça pas intéressé. Mais cependant yo te apprendre de parents yo que yo doit contribuer en dixième partie dans sa bon Dieu ba yo. Et c'est bien. Et nous-mêmes nous devons encourager nos enfants à apprendre que pour yo contribuer yon partie dans sa bon Dieu ba yo. Il y a un grand investisseur qui explique expérience que il fait avec Dieu. Il dit, les investir et ou partager bien ou pour la gloire de Dieu. Bien entendu, ça nous dit. C'est un investisseur qui a fait expliquer l'expérience qu'il fait avec Dieu. Il dit, les ou investir et ou partager vos biens pour la gloire de Dieu. Et vous connaissez de riches bénédictions.
vous connaissez que la bénédiction a dépassé le niveau de ça où vous attendre. Un bon administrateur, il déjà connaît un bon administrateur ou un bon gérant, il connaît le revenu qu'il va la faire pour l'année. Parce qu'il est habitué, il fait expérience. Il y a cet économiste qui m'a parlé au matin. Hein? Il vit en Détroit, Detroit, Michigan. Il fait une promesse à Dieu. Promesse qu'il fait, il dit, ma baye bon Dieu la dîme de tout revenu moi. Et bon Dieu tendait parole ça que économiste la promesse qu'il fait à Dieu. Il dit que dans le business, dans l'administration, la baye bon Dieu, il y a une dixième partie de revenus. Et bon Dieu tendait ça. Et puisque bon Dieu tendait ça, c'est pour sa gloire, pour la gloire de Dieu. N'oubliez pas que je dis non. Il te dit que là où investissez, là où investir et où partager bien pour la gloire de Dieu, ou recevoir et business à dépasser ça où tu es quoi. Et dans Michigan, dans Detroit, Michigan, nomme ça qui est en administration et il dit que l'expérience qu'elle fait à bon Dieu. Il dit là-bas, dixième partie de revenu. Revenu, monsieur, vient tellement élevé. Revenu, monsieur, vient trois fois plus. Ça a été espéré. Donc, nous n'avons pas qu'à faire le secret à Dieu. Parce que Dieu connaît toute administration. Il connaît toute sa nous entrée. Car la parole, l'écriture nous fait. Faire connaître que matériel et spirituel bénéfice à monde qui investir dans le travail de Dieu, moun sa yo, c'est monde qui investir dans banque bon Dieu. Nous pas capable de tromper Dieu. Moi encourage vous pour essayer bon Dieu. Et on va connaître combien il est capable de bénédictions en retour, de riches bénédictions sur vous-même. Mais il faut faire bon Dieu confiance. Il faut essayer de connaître qui est le bon Dieu. Moi, douce là, afin que vous soyez capable de connaître que bon Dieu n'est pas contre le monde qui possède des grands biens. Bon Dieu n'est pas contre le monde qui possède des grands biens. Mais, bon Dieu pas veut que ses enfants soient pauvres au point qu'il a demandé dans les coins de rue. Et si vous avez un Dieu comme ça, un Dieu Jéhovah, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu El Shaddai, le Dieu du commencement et de la fin, le Créateur de toutes choses, notre Créateur, comment nous a pas demandé dans les coins de rue? Ça fait que Dieu, ça, c'est pas du papa, non? Si il est notre Dieu, et nous avons confiance que notre Dieu est capable de tendre voix nous, de tendre cri nous. Nous tous pas le même niveau de connaissance. Nous tous pas le même niveau pour nous capables de richesse. C'est vrai. Mais bon Dieu, il est un Dieu qui est capable de répondre, qui voit toute petite lio. Il voit l'appui sur les bons et sur les méchants. Et il voit l'appui, il n'est pas tenu compte que seulement il voit l'appui sur les bons. Donc, par conséquent, il faut l'air pour nous tous respirer. Il faut l'appui pour nous tous capables de bénéficier. Mes chers amis, nous avons regardé dans 1 Timothée, chapitre 6, avec nous. 1 Timothée, chapitre 6, versets 6 à 15. C'est l'avertissement que Paul, apôtre de Jésus-Christ, à Timothée, son enfant,
légitime en la foi, afin que Timothée soit capable d'informer aux églises qui ça, comment pour l'église marcher. Et on nous lit quelques versets. Chapitre 6, verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété, avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans ce monde. Il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Laisse-moi relire ce verset. Car nous n'avons rien apporté dans ce monde. Il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. C'est maman nous et papa nous qui étaient ouais les nous entrer et faire apparition sur la terre. Apparition nue. Un bébé qui n'a rien. Et bébé ça grandit, il grandit, il fait toute expérience lui, il devient un grand nègre. Donc et jour l'est pour mourir. C'est seulement yo veut mettre un virage sous lui, on mettait. Mais il était qu'il doit mettre les gens liés la gueule dans boîte. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que c'est seulement rad avec manger que nous besoin gagner? Dieu, c'est lui-même qui pourvoit à ses enfants de quoi? Il connaît qui quantité manger que nous besoin. Il connaît qui quantité d'argent que nous besoin pour nous vivre sur cette terre. Et c'est ça qui fait que nous capacité pour nous travailler. Nous habileté, intelligence pour nous travailler. Mais cependant, il faut que un jour, nous, après nous finissons fait tout ça, nous travaillons, nous sautons, nous entrons, nous chita. Mais il faut nous penser. Mais dit comment ça se fait? Comment ça pourrait arriver? Moins levé, moins dormi, mal travail, moins tourné. La pluie tombée, moins respirer. Comment on a vivre? Quelle vie, hein? Mais qui moune? Comment? Mais il y a un monde qui a contrôlé les bagages, ça y est. Nous réalisons que y a un bon économiste, son homme qui semblait, qui connaît comment pour lui économiser l'argent. Bien lui. Parce que vision lui, c'est pour lui gagner en pile l'argent. Vision lui, c'est pour lui capable de devenir riche. Et c'est ça qui fait que, ou elle travaille, même là, t'es quitté, parents, t'es quitté un bien pour vous, ou besoin de travail pour capable de faire bien ça. Et chaque jour, pas de monde qui vient un millionnaire qui n'a pas de travail. Si vous êtes millionnaire ou pas de travail, il y a un monde qui te travaille pour vous. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. C'était avec des chrétiens que Paul a écrit les psaumes. Mes chers amis, ou même qui écoutez de loin et de près, pas gain rien qui mauvais pour travail dur, pour gain économie qui balancer. Mais cependant, dans le verset que je viens de lire, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Et je continue, verset 10. Il dit, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. La question, ce n'est pas que vous travaillez dur ou accumulez de grands biens, mais c'est comment, qui disposition qu'on gagne. Et pour qui monde, tout bien ça y est. Et comment gagner bien ça? Est-ce que c'est
ou craser tout le tipitio pour capable gagner bien, assez de bien. Est-ce que c'est assez de, est-ce que employé qui travaille avec eux, c'est parce que ou tellement prend sous eux qui fait ou venir accumuler assez de bien. Et pour toi, verset 11, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche. Voilà le conseil qui Paul a donné à Timothée. Recherchez la justice, recherchez la piété, recherchez la foi, recherchez l'amour, recherchez la patience, la douceur. Voilà la richesse que moi-même et vous-même nous besoin à chercher. Ce sont ces paroles que l'Église chrétienne doit connaître. Ou bien assez pour vivre dans l'abondance. Bon Dieu, rien mais ouais, petit à vivre dans l'abondance. Mais il faut lire la Bible pour connaître que vérité ça y est. Pour connaître que bon Dieu veut moun riche. Pour connaître bon Dieu veut que ou gen kòb. Bon Dieu veut que ou bien ou habite dans belle maison. Bon Dieu veut que ou conduit belle machine. Mais pas gen rien qui mal dans ça. Mais qui sont faits pour capable gen belle machine ça. Mais qui sont faits pour capable gagner assez bien ça. Est-ce que c'est pour la est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Est-ce que Dieu a une chance, une possibilité pour bailler bon Dieu gloire dans tout gros comme ça qui va entrer? Mais chers amis, m'a dit souvent nous on certain groupe mon a vivre dans la misère, dans la pauvreté, c'est parce que l'homme méchant. L'homme pas doute, l'homme n'a pas doit tomber dans une situation pareille. Parce que il y a un monde qui tellement gagne l'argent. Il y a tellement de possibilités. Il y a des possibilités pour génération et génération. Et puis, il y a un groupe, même les gens dans le quartier côté lié, dans la communauté que lié, il y a un passage de gens qui ont mouru. C'est l'homme. Comment l'homme est méchant. Combat, le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, pour laquelle tu as fait une bonne confession en présence de grands nombres de témoins. Mes chers amis, posséder le monde sans Christ, vous êtes un pauvre. Un pauvre. L'Église nous peut pas des églises pauvres. Pour qui ça? Parce que les gens qui font partie de l'Église, ils n'ont pas de pauvres. Et si l'Église si ou pauvre, c'est parce que si l'Église est pauvre, parce que les gens qui viennent dans l'Église, c'est pauvre qui est. La Bible dit. Nous devons chercher la justice. Déclarer la vérité comme elle comme telle. Mes chers amis, je dis, là, pas gain la justice chez l'homme. L'homme, moun qui pas gain justice, là, c'est lui qui ou pas justice. C'est l'état de l'homme. Mais la Bible demande que nous avons besoin de la piété, l'exercice de la piété. Cherchez Dieu. Cherchez Dieu. Gain la foi et la justice. Révélez votre caractère. Caractère pour connaître qui monde qui est, c'est la façon qu'on servit mon Dieu. La piété. Comment on croit dans mon Dieu. Comment ou organiser avec un partenaire, un ami, un frère, un chrétien, exercer la justice. Ça révèle le caractère. L'amour, la patience, la douceur, c'est fruit de l'esprit que vous est. L'année 2021, ce sera une année de grande victoire pour les chrétiens. Parce que nous sommes des chrétiens de foi. Puisque nous croyons en bon Dieu qui peut faire tout faire. Nous croyons en bon Dieu qui possède toute bagaille. Nous croyons en bon Dieu qui gagne le monde dans mes lits. Et nous devons, bon Dieu, l'accès pour contrôler notre vie. Bon Dieu, l'accès pour contrôler votre vie. L'accès pour gérer votre famille. Donnez-lui l'accès pour entrer dans le bien. Parce que combien ça, combien maisons, ou bien 15 maisons, combien ont besoin pour dormir?
Ou gen 10 machines, combien machines ou besoin pour courir? C'est vrai, pas rien qui mal pour gen 10 machines. Pas rien qui mal pour gen 10 maisons. Pas rien qui mal pour gen 10 buildings. Tôt ou tard, ou gen pour quitter building sa yo. Tôt ou tard pour quitter toute luxueuse machine. Et sous sans Christ, qui bon destination va y aller. Mes chers amis, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. Mes chers amis, nous, de l'année 2021. Ce n'est pas une année côté moi-même et vous-même, nous seulement contentés de la nourriture, contentés seulement du logement, nous. Mais il faut que nous pensions à la vie éternelle que nous joignons de Dieu. Et vie ça, son vie que nous sommes capables de mettre, nous capables de prendre n'importe quoi. Le souffle de vie que bon Dieu ben nous est capable de prendre n'importe quoi. Donc, si vous ne faites pas rien pour cette vie, parce que la Bible demande pour faire connaître que tout ça, ou bien, c'est pour bon Dieu que vous avez. Tout bien qu'on possède, c'est pour bon Dieu que vous avez. Et lui demander pour que vous ayez parti là-dedans. Et parti ça, il est capable d'aider l'autre monde. Et c'est ça Paul te qu'on fait. Paul allait des églises en églises, recueillir des dons. Et dons ça, pour supporter les autres églises. Mes chers amis, on apprend que aux États-Unis, là, à côté, on a mangé. Il y a parfois Thanksgiving, en Christmas time. C'est temps côté mon manger en pile manger gaspillé, en pile manger jeté. Et gagner nous t'es capable de dire moitié dans le monde pas joint de manger ça pour manger. Pas joint de manger pour manger et combien de monde qui faim qui dit que à soir qui va dormir peut-être qui pas connaît qui ça va prendre. Qui a impossibilité pour manger. Qui a dormi dans les coins de rue. Et il y a des gens qui tellement possèdent bien. Nous connaissons un bon goût, monsieur, ça, qui charge bien, qui a bien pu acheter un n'importe quelle petite ville. Mais puisque vous êtes sans Dieu, vous ne connaissez pas que le prochain a besoin de support de vous. Nous sommes un homme samaritain qui a passé. Le jeune homme qui tombait sur la route. Gros chef yo passé, gros scribe yo passé, yo gardé monsieur yo pas pour occuper lui. Tout gros lévite yo passé yo pour occuper monsieur. Les gros juifs passé yo monsieur à terre pour occuper monsieur. Mais c'est un samaritain qui n'est pas juif. Et qui passait, qui ouais nomme ça à terre, et qui campait, qui ramassait monsieur, et le mettait sous mon tilly, et l'almenait dans l'hôtel qui est tout prêt, et dit, prends soin monsieur pour moi, et après, m'a retourné. Si lui coûtait plus, m'a payé lui. C'est là un prochain. C'est là un homme. Maintenant, je encourage pour que l'argent, pour mettre lui, même j'ai mettez tête disponible pour bon Dieu, mettez l'argent disponible tout. Mettez famille disponible tout. Ou pas qu'à venir l'église depuis petit tout, abdormi. C'est quoi yo? Ou abdormi, Marie ou dit, m'a pas venir l'église aujourd'hui. Il pas reconnaître que bon Dieu voit l'appui sous lui. Il pas reconnaître que bon Dieu va le manger. Il pas reconnaître que bon Dieu va le caille pour l'habiter. Ou besoin dit timoun yo que c'est bon Dieu qui ba moi possibilité pour me travailler marcher kaisa que va dormir. Et nous besoin un temps pour adorer bon Dieu. Maintenant, moi encourager ou pour investir dans bon Dieu. Donc investir dans bon Dieu, ou capable venir grand nègre pendant qu'on sous terre ça. Et ou grand nègre tout dans royaume bon Dieu. Combien comme vous avez besoin gagner pour acheter une place dans royaume bon Dieu. Combien quoi vous t'as gagné? Pas gagné monde qui cap acheter une place dans le royaume ciel, dans ciel, dans ciel là. Car côté papa bon Dieu, même Abdou, il y a possibilité que
pour joindre une place, pour gagner assez, pour acheter ça. Parce qu'on n'a pas besoin de cob, parce que Jésus-Christ, le royaume, ça, il est fruit. Mais comment il est fruit? Il faut accepter le cadeau que Jésus-Christ a offert. Maintenant, je connais que il y a plein de monde qui recevra un cadeau pour année ça. Et il y a plein de monde qui peut-être qui ne recevra pas un cadeau. Je me rappelle encore que vous êtes capable encore de jouer un cadeau. Jésus-Christ, c'est un cadeau pour vous. Et qui sont besoin de faire? En retour, vous n'êtes pas capable de faire rien. Qui sont capable de faire? Pour ta récompense, bon Dieu, pour tout ça le fait pour vous pendant toute l'année 2020. Baille tête. Ah bon Dieu. Dis Seigneur, gérez-moi selon volonté. Que bon Dieu capable de garder vous pendant tout le reste de notre vie. Et année qui est la patria, par la foi, c'est une année de victoire. On a une année de piété. Et une année que nous pas besoin de retirer toute inquiétude parce que Dieu nous a la veille sur nous. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Nous allons prier juste avant que nous quittions. Je m'excuse. Merci Seigneur d'une façon spéciale de ce que vous te rendez possible pour nous ici matin. Et nous très peu dans sanctuaire, mais nous connaissons pile le monde qui a écouté nous matin. Vous connaissez que c'est Dieu qui possède le monde entier. Tout ça, le monde gagne, c'est pour vous. Mais il arrive qu'il y ait un test, un examen pour nous porter une partie de vous dans ça nous gagne. Parce que c'est moi, c'est secret ça, ou besoin pour nous ou rendre nous encore plus riches. Et pour nous riches, pendant qu'il a vu sur cette terre, il faut que nous reconnaissions que tout, premièrement, c'est vous qui mettez tout le bagaille. Et vous êtes capable de nous en quantité et nous capable de vivre dans l'abondance. Vous voulez que nous vivions dans l'abondance. Parce que vous possédez tout le bagaille. Qui petit qui n'est pas parlé comme moi qui t'a manqué en rien? Ou c'est moi, ou c'est papa nous, et c'est moi qui est. Vous possédez le monde. Et c'est ça qui fait nous connaître que nous ne sommes pas pauvres. Nous ne sommes pas vivre dans la misère parce que bon Dieu nous enrichit. Acceptez notre prière. Et Seigneur nous demande pour continuer à bénir nous. Et pour nous capables d'entrer, nous déjà entrer dans cette nouvelle année. Et que nous capables de faire tout, pour nous capables seulement appuyer nous sous. Et compter sous bienfaits. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous prions.